Ava Manga en 2008, Yure Gawa en 2017 et Kaya en 2016. Les festivités du 11 décembre à Kaya ont permis aux chefs-lieux des provinces de la région du Centre-Nord de bénéficier d'infrastructures. Boulsa, dans le Namentenga, vient d'inaugurer sa salle polyvalente d'une capacité de 500 places. L'infrastructure et ses ouvrages connexes ont coûté 140 millions de francs CFA financés par les engagements nationaux. Reportage à Boulsa, Amado Ilboudo Olopoda. Une salle polyvalente de 500 places assises pour la province du Namentenga. La promesse du chef de l'État devient réalité et ce sont 140 millions de francs CFA qui sont mobilisés par les engagements nationaux pour faire sortir de terre cette infrastructure multifonctionnelle pour accueillir les manifestations d'une grande diversité. Je me réjouis de dire que les travaux ont été achevés vraiment dans le délai contractuel et nous avons une infrastructure de très bonne facture qui va vraiment nous aider à nous épanouir culturellement et pour nos grandes rencontres. Infrastructure qui vient résoudre un problème énorme que nous avions ici, à savoir un lieu approprié de réjouissance, un lieu approprié pour que la culture puisse éclore. Cet ouvrage offre la possibilité aux populations de se concerter et de communiquer en toute quiétude ou encore de festoyer en toute sécurité. Une nécessité pour booster le développement dans cette partie du Burkina. Je pense que ça correspond à des besoins pressants au niveau de Boulsa ici. Et ce que nous souhaitons, c'est que le maire, le conseil municipal et l'ensemble des populations, les artistes, les femmes, les jeunes, en fassent le meilleur usage possible afin que cette infrastructure dure le plus longtemps possible et qu'elle appelle d'autres infrastructures structurantes au profit des populations. La salle polyvalente de Boulsa doit vivre et générer émotions et bien-être. C'est le souhait de tous ici. Populations et autorités présentes nourrissent l'espoir de voir cette infrastructure renforcer davantage la cohésion entre les fils et filles de la province.